J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Vlog qui est pratiquement la suite directe du vlog dernier, étant donné que je l'ai clôturé ce matin. Et là, il est 6h. Voilà, j'ai fait mes quelques petits trucs dans la journée avant de vous reprendre. Parce que j'espérais lire un petit peu plus que ce que je n'ai fait, je l'avoue. Parce que du coup, pour vous redonner un petit peu les informations de la semaine dernière, si vous n'avez pas regardé la vidéo, je lis en ce moment Percy Jackson. C'est une relecture pour ma part. J'en suis à presque 200 pages. J'ai pas avancé aujourd'hui, voilà, donc j'en suis toujours à presque 200 pages. J'espère vraiment réussir à l'avancer cette semaine, mais j'en suis honnêtement pas si sûre que ça. Je verrai, je vous tiendrai au courant, bien entendu. Concernant l'audio. Coucou, alors c'est la Mégane du montage. Je reviens très rapidement pour vous parler en fait d'un lien d'affiliation que vous pouvez trouver du coup dans la barre d'infos qui vous permet d'avoir 30 jours gratuits pour Audible, donc n'hésitez pas à le tester si cela vous dit. Je tiens quand même à être transparente et à vous prévenir que en échange, bien sûr, je serai rémunérée. Donc voilà, ce sera tout simplement un moyen pour moi en fait de mettre un petit peu du beurre dans les épinards, comme on dit. Et sur ce, retour à la vidéo. J'écoute Dreamworkers de Alain Lafont, qui est pas mal. J'en ai pas écouté énormément, je crois que j'ai écouté une soixantaine de pages. C'est pas mal du tout parce qu'on est dans une histoire. Alors je sais pas ce que dit le résumé par contre. Attends, qu'est-ce que ça dit exactement dans le résumé plutôt? Alors en fait dans cette histoire on suit Samuel qui a une vie assez tranquille avec sa femme qui a un petit bébé, enfin du moins qui est enceinte, et en fait il sait pas encore qu'il est un voyageur de la nuit, et c'est-à-dire qu'il a la capacité de s'infiltrer dans les rêves des gens. Donc, il le sait pas encore au moment où j'en suis. Apparemment, sans le savoir, il a autrefois sauvé une fillette en s'opposant à son bourreau. Et c'est l'histoire du bourreau qui justement essaie d'obtenir vengeance et il cherche du coup Samuel. Je ne sais pas encore exactement quoi, pourquoi le bourreau voulait tuer la petite fille, comment Samuel a pu la sauver ou quoi que ce soit. Je ne suis même pas encore arrivée au moment où ça explique justement que Samuel a sauvé une jeune fille. Pour le moment, tout ce que je sais, c'est que la femme de Samuel, justement, a des terreurs nocturnes, qu'elle apprend grâce à une voyante que Samuel est peut-être en danger. Elle sait pas trop si elle doit y croire ou pas, parce que c'est une voyante, elle est un petit peu sceptique. Et à côté, on sait que Samuel est recherché par des gens un petit peu bizarres. Voilà, tout ce qu'on sait, c'est ça pour le moment. Ça a une ambiance très très sombre, très mystérieuse. Donc très très hâte d'en savoir plus. Surtout, c'est une histoire de vengeance en plus comme ça. Là, je vous avoue, j'avais pas lu le résumé avant, donc parce que je l'avais commencé parce que j'étais tombée sur le préquel la semaine dernière. Donc écoutez, hâte de découvrir la suite et de vous en parler très bientôt, je l'espère. Et sinon, j'ai avancé un petit peu ce matin dans Laure. Dans cette histoire, on suit Laure qui en fait a un passé assez mystérieux en ce début de roman et on apprend très rapidement pourquoi. Parce qu'en fait, on est à New York et il y a un jeu meurtrier qui est sur le point de commencer. Un jeu meurtrier, Lagone du coup, qui se déroule en fait tous les 7 ans pendant une semaine. Il y a 9 dieux grecs en fait qui sont forcés de parcourir la Terre en tant que mortels parce qu'ils ont défié Zeus et c'est une forme de punition en fait, et ils sont chassés en fait par les descendants des lignées prestigieuse. Et le but de ces chasseurs, c'est forcément de tuer les dieux, mais la vraie récompense en fait, c'est que s'ils tuent un dieu, ils vont récupérer du coup le pouvoir de celui qu'ils ont tué, ainsi que bien entendu son immortalité. Et toute la famille du coup de Laure a été assassinée par une lignée concurrente, et ça fait que au moment où on suit Laure, elle a complètement fui ce monde, elle évite au maximum les chasseurs et etc. jusqu'au jour où il se passe un petit quelque chose qui fait que elle va peut-être avoir la chance de se venger. Pour le moment, j'en suis là, donc j'aime bien cette idée. Décidément, je suis dans une semaine vengeance. Hein. Je vous jure que je ne veux tuer personne. Donc j'aime bien cette ambiance. Ben, un petit peu Hunger Game avec cette chasse, mais également très très mystérieuse qui se cache un petit peu derrière Laure. Je trouve que l'histoire a un petit peu une dynamique de la Cotard, je sais pas exactement trop vous dire, ou plutôt de Crescent City. C'est peut-être le côté un petit peu sombre de l'univers qui me donne cette impression, mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a une dynamique un petit peu de Crescent City. J'arrive pas trop à savoir encore pourquoi, je vous dirai sûrement plus tard, je l'espère en tout cas. Mais en tout cas, j'aime plutôt bien pour le moment. Il y a juste au niveau de la plume que
ça me plaît pas trop trop. Disons que dans l'ensemble, ça va, mais je trouve qu'il y a certaines phrases qui sont pas très très bien tournées. Par exemple, elles peuvent avoir plus ou moins deux sens, et du coup, des fois, on sait pas trop de quoi ça veut parler. Enfin, il faut le relire. Enfin, personnellement, en tout cas, j'ai besoin des fois de relire deux, trois fois la phrase pour comprendre qu'en fait, il parlait de la chose juste avant. Voilà. Des fois, il y a des formulations, du coup, pas très très fluides à mon sens, pour moi en tout cas, parce que ma sœur m'a dit qu'elle, il n'y avait pas de problème. Donc c'est vraiment très très personnel. Sinon, bah écoutez, pour le moment ça se passe plutôt bien. Je suis plutôt contente de ma lecture. Ça se lit plutôt vite quand même, malgré voilà, ce petit problème. Ça se lit quand même plutôt vite, parce qu'il y a quand même pas mal d'action. Puis c'est quand même une histoire assez entraînante, des personnages assez intéressants également. Donc plutôt hâte de continuer. J'espère, ce serait vraiment cool que j'arrive à le terminer cette semaine. Mais je crois que j'espère un petit peu trop entre ça et Percy Jackson. Je pense que j'espère un petit peu trop. Du coup, voilà, ce sera déjà pas mal si j'arrive à lire ceci. Et du coup, je vous retrouve dans un prochain clip. Des bisous! J'espère que vous allez bien. On est mercredi 9 août, il est 9h du matin. Je vous retrouve encore avec une voix assez basse, on va dire, parce que ma soeur dort encore. Je crois que, comme moi d'ailleurs, elle a mis assez longtemps à s'endormir. Du coup, je reviens pour vous parler un petit peu lecture. J'ai un tout petit peu avancé dans l'or. Je pense qu'en fait, le côté que je vous disais qui ressemblait un petit peu à Crescent City, je pense que c'est juste le fait que ça se passe dans une ville. On a vraiment cet esprit un petit peu d'urban fantasy. Je pense que c'est ça qui fait que j'ai cette sensation un petit peu. Le danger un petit peu aussi. Sinon, je suis pas spécialement embarquée en fait dans l'histoire parce qu'on a eu un moment un petit peu intéressant en fait parce qu'il y avait un nouveau personnage qui rentrait dans l'équation. Et du coup, il y a eu beaucoup d'informations sur l'univers à ce moment-là. Du coup, ça a complètement cassé le rythme en fait. Donc, je trouve que le rythme n'est pas très très bien mené. Les informations sont pas données de façon très très fluide en fait. Parce qu'au départ, on avait des informations mais qu'on comprenait pas. Du coup, c'était très flou. Et maintenant, on a eu tout un bloc en fait d'informations et du coup ça fait beaucoup d'informations d'un coup. Et genre hier j'ai lu une scène qui était pas très très claire. Après voilà, j'ai toujours ce même problème avec les scènes d'action, mais là je trouvais que c'était pas très très clair. À voir ce que ça donne par la suite, mais pour moi je suis pas spécialement fan de l'univers qui est dépeint ici. À voir par la suite, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus entraînant quand même, d'un peu plus dangereux en fait, parce que pour le moment il y a je ressens pas spécialement le danger en fait. Parce qu'on a bien vu qu'il y avait du danger, parce que là il y a une personne qui est blessée. Mais je sais pas, je sens pas trop cette ambiance quand même qui est censée y avoir parce que les jeux de Lagon, je crois qu'ils appellent ça, ont commencé. Donc il doit y avoir ce danger quand même des chasseurs qui chassent les dieux pour leur faire la peau quand même. Mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment cette ambiance vraiment de chasse ou de danger, de mort, tout simplement. Donc, à voir par la suite. Pour le moment, je suis pas spécialement fan. Sinon, notre ami Percy Jackson, je l'ai toujours pas avancé. J'espère le faire aujourd'hui. Sinon, pour Dreamwalkers, en fait, je vais essayer de l'écouter dans la journée, mais pas le soir, parce que avant-hier soir, je l'ai écouté. Il y a eu une scène assez, assez intense au niveau du scénario, dont je peux bien entendu pas vous parler. C'était une scène, en fait, pleine de dangers pour les personnages, et il y a eu des conséquences assez lourdes. Voilà, pour essayer de rester le plus vague possible. Et du coup, m'endormir avec ce genre de scène, je non quoi. Donc du coup, je vais essayer d'écouter dans la journée maintenant. Et le soir, du coup, je me suis pris un autre audiobook. Du coup, ça fait que hier soir, j'ai écouté Cessez d'être gentil, soyez vrai, en me disant que j'allais m'endormir parce que le développement personnel, en plus, c'est pas trop ma cam. Je suis pas spécialement fan des romans de développement autopieux. Je suis pas spécialement fan des romans de développement personnel, donc j'ai pas spécialement accroché. Ici, il apporte des réflexions en fait sur notre façon de réfléchir par rapport à nous-mêmes, au fait que si en fait il y a des problèmes
en général dans la vie, genre tous les conflits qu'il peut y avoir, c'est en partie parce que les gens sont frustrés, en gros. Parce que on a toujours appris quand on était petit à dire oui, à répondre, à obéir à nos parents. Et les parents ont tendance à dire sois gentil, fais la vaisselle, sois gentil, fais ceci, sois gentil, fais cela. Sous-entendu, si tu fais pas ça, je t'aime pas. Et du coup, on est construit en fait avec cette idée-là. Et du coup, on a tendance à donner une trop grosse part en fait d'importance à nos actes au lieu de qui nous sommes. Dans le sens où on a tendance du coup à penser que les personnes ne vont pas nous apprécier si on ne fait pas quelque chose, alors que le fait d'être apprécié ou non dépend de qui on est, pas de ce qu'on fait. Voilà. Et du coup, il y a une petite réflexion autour de ça. J'ai oublié de préciser aussi par rapport au livre de développement personnel là, que l'autre idée qu'il évoque, c'est le fait que par rapport à l'éducation et notre vision des autres par rapport à nous, c'est que en fait, on est éduqué aussi dans le sens où nos émotions, on n'a pas trop le droit de les exprimer parce que si on est triste, si on est en colère ou si on est joyeux ou quoi que ce soit, dans tous les cas, nos parents nous disent quoi faire. Nous disent par exemple, si on est joyeux, que du coup on fait trop de bruit, ils vont nous dire de faire moins de bruit. Et du coup, entre guillemets, de taire un petit peu notre émotion joie. Si on pleure ou si on est en colère, ils ont tendance à soit nous dire d'arrêter de pleurer, à nous dire d'aller dans notre chambre réfléchir à la bêtise qu'on a faite ou quoi que ce soit. Et du coup, on a tendance, en fait, on est éduqué à ne pas exprimer nos sentiments, à ne pas essayer de réfléchir en fait sur nos besoins. Et lui, il nous pousse un petit peu à essayer de renverser un petit peu ça et à nous questionner vraiment sur nos besoins pour pouvoir exprimer, pour pouvoir les exprimer tout simplement en fait, et pour pouvoir mieux vivre en fait. Que si on n'a pas envie de faire quelque chose, dire que j'ai pas envie, que vous n'avez pas envie de faire quelque chose. Si au contraire vous avez besoin de faire quelque chose, dites-le tout simplement. Et en fait, ça évite des frustrations qui s'accumulent et qui au final peuvent faire de gros dégâts. Voilà, en gros, l'idée que j'ai oublié de préciser. Retour à la vidéo. Il y avait des réflexions également au niveau des contraintes et du coup des notions de liberté qui étaient plutôt pas mal, qui disaient que il y a des notions de contraintes quand même, parce que si on a plusieurs chemins, on est libre de choisir n'importe quel chemin, mais à partir du moment où on prend un chemin, on ne peut pas prendre les autres chemins. Après, voilà, c'est pour les prendre, il faut quitter le chemin sur lequel on est pour faire demi-tour, pour aller sur un autre. Et même dans ce cas-là, on n'aura pas les autres. Voilà. Et du coup, il disait que la liberté, c'est pas le fait de pouvoir faire absolument tout ce qu'on veut, c'est d'être libre de choisir ce que l'on souhaite faire. Et du coup, je trouve ça plutôt intéressant également. Voilà, il y a des petites réflexions comme ça. Mais voilà, c'était pas super super développé, c'était pas mal à écouter en insomnie, c'était pas mal, mais voilà, ça casse pas trois pattes à un canard selon moi. Après voilà, je suis aussi pas du tout friande de développement personnel, donc je pense que ça joue énormément mon appréciation. Mais je l'ai écouté parce que c'était un des romans gratuits, où je sais pas si vous savez, mais sur Audible il y a des romans, voilà, qui sont gratuits, qui sont inclus en fait dans l'abonnement. Donc des fois j'en écoute quelques-uns, surtout là en ce moment il y en a certains qui sont inclus jusqu'au 13 août. Du coup je sais pas s'ils sont inclus jusqu'au 13 août dans le sens où après ils ne seront plus dans la partie gratuite, mais que vu que je les ai téléchargés avant, peut-être que je les aurai encore, je ne sais pas. Donc du coup au cas où j'ai essayé de les écouter. Et du coup lui en faisait partie. Et j'ai également du coup commencer à écouter, parce que lui je l'écoute assez rapidement parce qu'il n'y avait que 1h20 je crois d'écoute, et vu que j'écoute en x2, autant vous dire que ça s'est lu, enfin ça s'est écouté assez rapidement, et vu que hier soir je n'arrivais pas à m'endormir, voilà. Et sinon du coup j'ai également commencé Sois belle et tais-toi de Marie Gray, dans lequel on suit une femme d'une quarantaine d'années qui fait attention à elle, qui est toujours propre sur elle, qui fait du sport, qui voilà. Et ça fait 10 ans qu'elle est mariée avec son mari, et elle se rend compte au fur et à mesure que son mari fait des remarques qui lui plaisent pas trop. Il y a une petite réflexion du coup sur sa propre relation avec lui, mais également avec elle-même, avec son corps, avec la vision des autres par rapport à elle, et elle par rapport à la position de la femme dans la société. Donc toutes ces réflexions-là sont plutôt, je dirais pas intéressantes, parce que c'est un petit peu du vu et du revu. C'est quelque chose qu'on sait, que la femme elle est pas super bien comment dire, pas positionnée, mais ou par exemple on peut pas sortir le soir sans être spécialement en danger, ou ouais, ce genre de petits trucs. Et son mari a des réactions assez problématiques. Je vous laisse découvrir quoi si ça vous dit. Mais personnellement, j'ai un peu de mal pour le moment avec
avec ce texte. Je vais le finir de l'écouter parce que ça s'écoute assez rapidement. Il n'y a que 11 heures d'écoute, donc en rapide, ça va se faire relativement rapidement, justement. Mais déjà, le roman commence par une scène de sexe où... assez explicite. Voilà, ça fait 10 ans de mariage, pouf, ça dit qu'il est en érection et qu'elle parle... hein. Donc, déjà à partir de là, je me suis dit... pardon. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est qu'une scène, allez, c'est parti, on continue. Mais en 40 minutes, il y en avait déjà eu deux. Deux assez explicites en plus. Les réflexions, je trouve qu'elles tournent un petit peu en rond pour le moment. La personnage principale, elle a un petit peu du mal à voir quand même la vérité par rapport à son mari. Donc pour le moment, c'est pas fou. Je vous avoue que c'est pas fou. Mais ça s'écoute. Ouais, ça s'écoute. Du coup, on va continuer. Et je vous en reparlerai très probablement dans la semaine. Sur ce, je vous laisse. Je vous retrouve dans un prochain clip. Des bisous. Et c'est reparti. On va redescendre encore cette colline. Je trouve cette vue est tellement belle. Si je vais garder ce clip parce que j'ai pas fermé la porte et du coup je sais pas à quel point on va m'entendre. Je viens de lire une scène du coup dans Percy Jackson 1. Il y a quelques scènes qui ont été enlevées en fait du film pour je suppose des facilités. Mais là il y avait une scène, c'est assez violent quand même pour des enfants de 10 ans. Je me souvenais pas du tout que ce soit que c'était aussi violent. Enfin, c'est parle quand même de découper des têtes. c'est quand même assez violent. Donc assez surprise de ça, sinon c'est plutôt, j'aime toujours autant, c'est assez dynamique, pas trop de pause, donc j'aime plutôt bien ça. L'autre truc que je voulais dire, c'était, je trouve que c'est un petit peu, enfin, il y a beaucoup de facilité scénaristique, en même temps c'est en jeunesse, qui en plus a une dizaine d'années, mais il y a beaucoup de facilité scénaristique. Par exemple, absolument toutes les personnes que Percy et du coup ses acolytes croisent, ce sont tous... des membres des gens qui ont un rapport avec le monde de la mythologie. C'est assez fou. Il n'y a pas une seule personne qui est un humain normal en fait. Voilà, il y a une petite facilité scénaristique comme ça, mais ça se lit quand même très très bien.
J'aime toujours autant l'ambiance qu'il y a, l'humour qu'il y a. On en apprend un peu sur Annabeth, même s'il y a encore un petit peu le mystère. J'aime bien comment c'est fait. Enfin, ça tourne un peu en rond. J'ai l'impression qu'on répète un peu beaucoup la même chose. Mais sinon, je trouve ça plutôt sympa. J'aime beaucoup ma relecture. Et je suis vraiment contente d'ailleurs de justement refaire cette relecture pour pouvoir continuer. Parce qu'en plus, j'ai appris que à la fin de l'année, je crois, va y avoir un équivalent de tome 5 qui va sortir de cette saga-ci. Alors, j'étais pas au courant, mais du coup, je trouve ça trop cool. Et du coup, ça me fait assez rire parce que j'ai pas fait énormément de relectures dans ma vie. Et au moment où je fais la relecture de Eragon, il y a le tome sur Murtagh qui va sortir. Donc, ça me fait assez rire d'enfin finir cette saga à ce moment-là. Et au moment où je me décide de relire les Percy Jackson, sans avoir connaissance du tome 5, mais il y a le tome 5 qui va sortir. Et je trouve ça assez rigolo, cette petite coïncidence. Parce que dans les deux cas, j'étais pas au courant, en fait, au moment où je me lançais. Des sorties, des trucs, donc je trouve ça plutôt rigolo. Voilà, sinon je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous parler un petit peu plus de Percy Jackson et des autres livres que j'ai lu, parce que j'ai aussi lu hier un petit peu Lore, mais du coup je vous en parlerai à ce moment-là. Tati un film. Oui. Ah oui, tu sais que t'as dit un film. Alors du coup, on arrête. Vas-y, donne la balle. Là. Mais vas-y, donne. Bon, ben, ce coup de langue. Alors on a quelques petits rattrapages à faire, parce qu'on est lundi 14 août, ce week-end j'ai pas pris le temps de faire le montage, parce que j'avais d'autres choses à faire, mais du coup j'ai pris le temps par contre de finir mes livres audio, et de finir le fameux Percy Jackson, oui. Alors au niveau des livres audio, donc je lisais, enfin j'écoutais du coup, Sois belle et tais-toi, de je ne sais même plus qui, que je suis bien contente de ne pas avoir acheté. Au final, je pense que l'idée est plutôt bonne, dans le sens où l'autrice essaie d'utiliser son histoire pour promulguer des idées féministes, dans le sens où les femmes ne doivent pas dépendre uniquement de leur beauté, ne doivent pas se sentir que vraiment objet, quoi, et elles ont le droit d'avoir des besoins, là, elles ont le droit d'avoir des sentiments et d'être respectées par les hommes. Et voilà, il y a cette idée vraiment que les femmes vivent en permanence dans la peur, chose qui est pas entièrement faux dans notre société, et l'autrice essaie de montrer, voilà, que les femmes ont du pouvoir, en fait, tout simplement. Je crois que ce livre est sorti un petit peu au moment de la vague du hashtag MeToo. D'ailleurs, ça en parle, et c'est vraiment dans cette idée-là. Alors, j'ai bien aimé à la fin, parce que du coup, à la fin, là, il y a beaucoup de réflexions sur ce que les femmes peuvent faire, et les hommes aussi, d'ailleurs, hein, par rapport à toutes les agressions qu'il peut y avoir, à toutes les manques de consentement et tout ce qui s'ensuit. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'était plutôt intéressant au niveau tout ce qui est faire des associations, faire des événements et tout ça, par rapport à, justement, pour un petit peu éduquer les personnes, que ce soit les hommes ou les femmes. Mais j'ai trouvé que c'était assez mal fait, dans le sens où toute cette idée, en fait, j'ai trouvé que l'autrice répétait déjà beaucoup de fois que justement, y avait cette idée-là, que les femmes, blablabla, mais qu'elle l'appliquait pas, en fait. Elle l'applique absolument pas, parce que son mari est un... C'est un pauvre type, c'est vraiment un pauvre type, et on l'apprend relativement tôt, quand même, dans l'histoire, et je vois pas comment elle pouvait ne pas le voir, en fait, tout simplement. Et au tout départ de l'histoire, donc ils disent que ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble, et que tout est parfait, etc. Et du coup, ça fait comme si, pendant 10 ans,
le gars, il était propre sur lui, entre guillemets, et que d'un coup, il montrait son vrai visage. Je trouve ça un peu... Voilà, ça manque un peu de finesse, ça manque un peu de construction à ce niveau-là. Ensuite, j'ai trouvé que c'était assez mal fait également parce que... Comment dire? Sans spoiler. Parce qu'on apprend que notre héroïne a vécu des choses pas très très cool, comme je pense un petit peu toutes les femmes dans notre société, par rapport aux hommes. Et quand sa fille arrive avec un comportement différent de d'habitude, elle se bloque en fait, elle se bloque à se dire non c'est pas possible, non c'est pas possible, non c'est pas possible. Sauf que bah si, c'est une femme dans notre société, donc c'est tout à fait possible. Et ce déni là, ça m'a honnêtement saoulée, parce que j'ai l'impression que c'était répété mais pendant mais tellement de chapitres. Et elle restait sur cette position et c'était vraiment assez, presque malaisant en fait, parce que c'était évident que c'était ça, surtout vu comment l'autrice justement insistait pour dire non c'est pas possible, non c'est pas possible, c'était évident que c'était ça. Et du coup voilà, c'était un petit peu décevant à ce niveau-là, parce que je trouvais que du coup le personnage principal était bah, du coup mal construit en fait, parce qu'elle a des idées féministes, mais elle se comporte pas du tout en suivant en fait ses propres pensées, et elle se rend pas du tout compte, après en étant dans la situation c'est beaucoup moins facile je trouve, mais de se rendre compte en effet des problèmes que peut y avoir bah, son couple ou quoi que ce soit. Mais le pire c'est qu'elle faisait des réflexions comme quoi elle s'en rendait compte, mais c'était pas grave, elle passait à autre chose. Et ce genre de truc me dérange énormément, même au niveau de l'éducation des enfants. Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, parce que, enfin je peux pas trop vous en dire parce que sinon je spoil, et déjà qu'il n'y a pas énormément de surprises dans ce roman si je spoil, voilà quoi. Mais je trouvais qu'il y avait un problème au niveau de l'éducation des enfants, au niveau de la logique en fait. Parce que pour essayer de ne pas spoiler, on apprend à un moment que le beau-père du coup a une certaine conversation pas forcément très très féministe avec l'enfant du coup de la fille qu'on suit. Enfin l'enfant il a à peu près 18 ans, hein, donc c'est un enfant, un grand enfant quand même. Il n'a pas l'air d'être forcément en désaccord avec son beau-père, mais pourtant à la fin, bah, tout va bien, le petit il est gentil. Ouais, et il y a ce genre de petits trucs pas très très logiques qui personnellement m'ont dérangé, parce que voilà, du coup je trouvais que les personnages étaient très très mal construits. Il n'y avait pas cette fluidité en fait de pensée ou ce côté vraiment bien ordonné en fait. Je trouvais que ça partait un petit peu dans tous les sens. La seule qui était ordonnée c'était la sœur de celle qu'on suit, qui elle était voilà, féministe à fond, presque pas révolutionnaire, mais elle était assez rentre-dedans, vous voyez, elle affirmait ses idées haut et fort. Mis à part elle qui était vraiment insistante, les autres j'ai trouvé qu'ils fluctuaient un petit peu et qu'ils n'étaient pas très, très bien construits du coup, donc c'était un petit peu problématique à mon sens. Au niveau de la plume, j'ai trouvé qu'il n'y a rien de spécial à dire, j'ai pas trouvé que c'était spécialement, en même temps j'allais dire elle permet pas spécialement de s'attacher au personnage, mais d'un côté vu la construction des personnages, c'est peut-être la construction qui jouait et pas forcément la plume. Mais même au moment où il se passe quelque chose d'assez émouvant on va dire, j'ai été assez hermétique, mais pareil ça peut jouer également avec tout simplement le fait que bah, j'étais pas attachée au personnage, donc je sais pas trop du coup pour la plume, c'est trop influencé par mon ressenti pour les personnages. Mais sinon, ça aborde des sujets assez intéressants comme, et assez importants surtout, comme justement cette notion de féminisme, mais également de tout ce qui est les viols et les scarifications. D'ailleurs, par rapport aux viols. Parce qu'à un moment, il y a une action qui fait que le personnage se retrouve à se faire toucher sexuellement, mais il n'y a pas de pénétration. Et du coup, la personnage n'a pas l'air de comprendre que c'est quand même un viol, et c'est, à aucun moment c'est considéré comme un viol. C'est considéré comme un moment un petit peu choquant où l'homme prend trop de place par rapport à la place de la femme, et où il y a un problème de consentement. Mais à aucun moment, la femme considère s'être violée. Et personnellement, ça me dérange parce que, ben, si, à partir du moment où t'as dit non et que le gars, il te touche quand même, à partir du moment où il t'embrasse quand même, où il fait quelque chose que tu ne veux pas, c'est un viol. Et à aucun moment c'est précisé, ça. Donc ça me dérange un petit peu. Surtout pour un texte comme ça sur le féminisme, t'as envie de dire, tu pourrais vraiment juste, ben, du coup, aller jusqu'au bout et vraiment dénoncer également ça et faire en sorte que les filles qui, justement, liraient ce bouquin puissent se sentir légitime en fait d'aller porter plainte pour ce genre de comportement, tout simplement, parce que voilà, il y a un mot derrière en fait, il y a un mot. Après, les personnages sont très clichés, vraiment très 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 clichés. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de surprise en fait. Je sais même pas quoi de vraiment positif pour dire dessus, mis à part voilà qu'il aborde de bonnes idées, mais pas forcément très bien menées à mon sens. Voilà, je suis désolée, mais... Ouais, je peux pas dire
grand chose de plus. Ensuite, j'ai fini d'écouter Dreamwalkers, donc le premier tome. En fait, là aussi, je me suis pas spécialement attachée au personnage. J'ai eu l'impression que c'est... la construction du texte, c'était comme si on changeait de personnage principal. Et ça m'a un petit peu perturbée, parce que tout départ, on suit principalement la femme enceinte. Ensuite, on suit principalement son mari. Et ensuite, on suit principalement un groupe de gens qui est avec le mari. Et du coup, ça m'a un petit peu perturbée. Ben, en fait, je m'étais attachée à cette femme enceinte. Et le fait de ensuite ne plus trop la suivre, ben, c'était assez perturbant parce que... Ben, j'étais bien en fait avec elle. Alors que le mari, ben, du coup, je l'avais pas spécialement. Enfin, on l'avait un petit peu. On avait un petit peu appris à le connaître, mais pas tant que ça. Enfin, on s'était pas autant attachés. Enfin, personnellement en tout cas. Et du coup, là, j'étais un petit peu déçue de changer comme ça de personnage principal. Et quand ça s'est repassé après, ben, encore une fois, j'étais un petit peu déçue, quoi. Parce que du coup, c'est comme si on crée une relation pour après la briser et devoir recréer vite fait une autre. Et du coup, là, ça manque un petit peu de rythme, entre guillemets, au niveau de l'attachement. Et ensuite, je pense que ce qui m'a le plus déçu, c'était que... Donc l'idée des Dreamwalkers, c'est des gens, en fait, qui ont le pouvoir de voyager dans les rêves des autres. Et en fait... Alors au départ, oui, on nous explique bien tout, comment ça se passe, etc. Mais à partir d'un moment, il y a un événement qui se passe... Et on n'en parle plus trop de ce truc-là, de ce pouvoir-là. Et on se concentre vachement sur un... comment dire, sans spoiler. Sur un autre événement qui s'est déroulé, en fait, et qui a des conséquences. Voilà, pour essayer de rester le plus vague possible. Et on se concentre vachement sur ce truc-là, qui a plus un aspect mystique, un petit peu. Voilà, pour essayer de rester le plus vague possible. Et du coup, ça m'a un petit peu déçue, parce que c'était pas ce que je voulais lire, en fait. Je voulais, moi, voyager dans les rêves. Je voulais... avoir cette histoire de vengeance là qui était décrite dans le résumé. Et ouais, du coup un petit peu déçue, parce que par rapport à la vengeance, alors certes on voit le gars il vient expliquer machin, mais on sait pas trop pourquoi il voulait faire du mal à cette fille, ou alors j'ai pas retenu le truc, mais j'ai pas, voilà, on sait pas pourquoi. Puis j'ai trouvé que ce personnage, c'est comme si, parce qu'il a voulu se venger, parce que notre héros l'a blessé quand il avait 6 ans dans un des rêves, justement, qu'il partageait. Et pendant toutes ces années, tout ce qu'il a voulu, du coup, c'est se venger de cette blessure, en fait. Donc ce côté-là, ok. Mais qu'est-ce qui faisait qu'à 6 ans, il avait déjà envie de blesser une fille? Enfin, qu'est-ce que... Et j'ai l'impression que, du coup, ce personnage, il était caractérisé, en fait, il était développé que dans son côté... méchant garçon, vous voyez, genre c'est lui le vilain de l'histoire, et voilà, il est caractérisé que par ça, et point. Sauf que ben, j'aurais aimé du coup qu'il ait un petit peu plus de profondeur, j'aurais aimé qu'il ait un petit peu plus que ce côté vengeance, justement. Ensuite, pour le personnage principal, j'ai trouvé qu'il était assez mal construit également, dans le sens où pendant tout le début du roman, donc avant qu'il sache qu'il est un Dreamwalkers, c'est un gars assez classique. On apprend voilà, qu'il a l'air d'être assez altruiste, assez gentil, il aime profondément sa femme. Et d'un coup, au moment où il apprend qu'il est Dreamwalkers, où il apprend un petit peu du coup à utiliser son pouvoir, il devient mais tellement imbu de sa personne et prétentieux que je l'ai pas reconnu, en fait. J'ai pas compris qui était ce Sam. Donc un petit peu déçu à ce niveau-là, surtout qu'il commence une relation avec une fille qui est dans le groupe après. Et pareil, elle, j'ai pas trop compris. J'ai l'impression qu'ils étaient amis mais sans plus. Et d'un coup, ils se mettent à se rouler des pelles. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai raté moi-même un morceau, parce que vu que je l'écoutais en audio, c'est tout à fait possible. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait un manque un petit peu quand même de développement de relation, tout simplement. D'ailleurs, même le deuil qui pourrait être abordé ici, je trouve qu'il n'est pas tant abordé que ça. On nous dit, oui, que la personne morte manque au personnage, mais ça s'arrête là, en fait. Il y a... pas l'air d'y avoir spécialement de conséquences sur son comportement, sur sa façon de penser, sur sa façon de se sentir. Voilà, du coup, j'étais un petit peu déçue à ce niveau-là également. Du coup, voilà, il n'y a pas grand chose que j'ai vraiment, vraiment apprécié, mis à part l'univers, en fait, vraiment cette idée de voyager dans les rêves, qui ça a été plutôt cool. Sinon, c'est pas grandiose. Du coup, c'est pour ça que je pense que je vais tout simplement m'arrêter là pour cette série. Et enfin, j'ai donc fini de relire Percy Jackson hier soir. Et après, je pense qu'il y a beaucoup de nostalgie qui rentre en compte, mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette histoire. La fin est un petit peu différente quand même du film. Je me souvenais pas que c'était comme ça. Donc c'était du coup plutôt cool de lire cette version-là, en fait. La version originale, d'une certaine façon. Je trouve que du coup, elle est plus complète. La quête en elle-même est plus complète, parce qu'il y a
Il y a plus d'événements, le personnage rencontre plus de personnages, justement. Il y a juste la fin, que je trouve que ça est peut-être un petit peu précipité. Ça arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, je trouve, la révélation par rapport à un personnage. Mais sinon, j'aime vraiment beaucoup, parce qu'on sent vraiment la relation, surtout Annabeth et Percy, on sent vraiment leur relation qui, au fur et à mesure, voilà, leur amitié se tisse. Et je trouve ça vraiment cool de voir vraiment cette relation se développer, parce qu'au final, elle est quand même assez forte. Et je trouve ça vraiment, vraiment cool. Percy, il a une force de caractère qui est assez impressionnante, parce qu'à la fin, il arrive à faire un choix vraiment difficile, surtout pour un gamin de 10 ans. Il y a toujours ce problème jusqu'au bout, hein. Je trouve que Percy Jackson, le personnage, est trop mature pour être un gamin de 10 ans. C'est peut-être lié à son truc de demi-dieu et tout ça, mais je trouve quand même que... Il est un poil aîné, trop mature quand même pour un gamin de 10 ans. Mais ça reste du coup quand même très agréable à lire. C'est peut-être même plus agréable à lire que s'il avait justement 10 ans. Mais je trouve que pendant tout le long du roman, justement, on n'oublie pas que c'est un enfant en fait. Dans le sens où à chaque fois qu'ils sont vus juste tous les trois dans la rue, ben, ils sont un petit peu regardés à demander où sont les parents, etc. Et du coup, je trouve ça cool que ça rappelle quand même ce côté-là de... Voilà, justement, ils sont petits quoi. Donc c'était plutôt cool. Jusqu'au bout, on a eu des scènes un petit peu rigolotes, même dans l'action, je trouve. Du coup, je trouve que ça donne un aspect très beaucoup plus léger en fait à la quête qui pourtant est assez ardue. Donc, je trouve ça plutôt cool. Il me tarde du coup de relire la suite dont je me souviens absolument pas. D'ailleurs, si il y a plus de au niveau de la quête ici, au final, c'est une quête qui implique un personnage qui n'est pas du tout cité, je crois, dans le film. Il faudrait que je le re-regarde du coup. Je crois que ce personnage est absolument pas cité, donc je trouve ça assez intéressant parce que du coup, je pense que c'est un truc qui permet de. Bah, qui est important en fait pour la suite. Donc vraiment très très hâte de découvrir la suite. Enfin, de relire la suite. Et concernant l'or, j'ai pas avancé de la semaine, donc du coup, bah, j'ai pas grand chose. Youla! Donc du coup j'ai pas grand chose à vous en dire, mis à part que voilà, c'est toujours aussi un petit peu lent, il se passe pas énormément de choses, mais j'espère vous en parler un petit peu plus du coup la semaine prochaine. Du coup que j'ai fini tous mes livres audio, ben, je m'en suis choisi un nouveau et j'ai pris Un palais d'épines et de roses, mais le tome 2, donc Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas, qui me tarde vraiment de redécouvrir, enfin de, pas, non, qui me tarde vraiment de poursuivre. J'ai un tout petit peu avancé, j'ai pas mis mon marque-page d'ailleurs pour dire où c'est que j'en étais, je vais le mettre tout à l'heure, mais j'ai très très hâte de le découvrir. J'avais beaucoup aimé le premier tome, donc j'ai toujours entendu dire en plus que le tome 2 était encore plus intense et tout ça, donc très 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 hâte. Il pèse le poids d'un âne mort par contre. Du coup, voilà pour toutes mes lectures, finies et en cours. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu cette semaine, si vous avez fait de bonnes lectures, à papoter en commentaire, à partager la vidéo si cela vous dit, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Des bisous!